Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé sur la chaîne. Et bien, on va remédier à ça avec une nouvelle vidéo dans cette série sur les qualifications pour les Coupes d'Europe saison 2022-2023. Donc, on parle bien sûr de la Ligue des Champions, l'Europa League, l'Europa League Conférence. On est juste avant le début du troisième tour de qualification, mais on va revenir un petit peu, bien sûr, sur ce qui s'est passé lors du deuxième tour de qualification. Et on va aussi faire le focus sur un pays et ses clubs. Cette fois-ci, ce sera Gibraltar. On est parti. Alors on commence par la reine des compétitions, la Ligue des Champions, et un premier exploit dont j'ai envie de vous parler, sûrement mon parcours préféré pour l'instant dans cette Ligue des Champions, c'est le club lituanien du Žalgiris Vilnius, un des plus beaux palmarès du pays avec 9 championnats, 13 coupes de Lituanie, club qui a été créé en 1947 juste après la guerre, et donc qui a réalisé l'exploit de se qualifier pour le troisième tour de qualification en éliminant le champion suédois Malmö qui est un petit peu en perdition ces dernières semaines, 1-0 puis 2-0 au match retour. Ça veut surtout dire que le Žalgiris s'est assuré au moins une place en phase de groupe de Ligue Europa Conférence, donc pour la première fois de l'histoire, on va avoir un club lituanien en phase de groupe de Ligue Europa Conférence, si ce n'est mieux, puisqu'ils ont encore donc ce troisième tour de qualification à passer. On va également avoir le champion d'Arménie en phase de groupe cette année, le FC Pionik, qui s'est donc imposé face au F91 du Delange dans un match un petit peu de petit poussé de ce deuxième tour. Ils avaient perdu 1-0 au match aller, puis finalement ils se sont imposés 4-1 au match retour face aux Luxembourgeois. Donc le FC Pionik, club créé en 1992, qui a déjà 15 titres et 8 coupes, c'est le plus beau palmarès d'Arménie et de très loin, qui va s'assurer donc normalement sa première participation en phase de groupe de Coupe d'Europe. Alors la question ce sera laquelle, pour l'instant on ne sait pas. On a également le FK Bodø/Glimt, club norvégien qui s'est assuré d'une phase de groupe de Ligue Europa Conférence au minimum. Alors pourquoi je dis ça, c'est trois fois que je le dis. L'idée c'est que maintenant les clubs sont qualifiés en troisième tour et s'ils sont éliminés du troisième tour de Ligue des Champions, ils seront renversés en barrage de Ligue Europa. Et soit ils s'imposent et vont en Ligue Europa en phase de groupe, soit ils seront défaits et ils iront donc en Ligue Europa Conférence en phase de groupe. Bref, se qualifier pour le troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions, c'est s'assurer un automne européen. Et donc Bodø/Glimt s'en est assuré un second d'affilée, puisque l'année dernière ils avaient fait un très beau parcours en Ligue Europa Conférence. Ils ont gagné face à Linfield, petit poussé nord-irlandais qui s'était imposé d'ailleurs au match aller 1-0, sauf qu'au match retour, les Norvégiens ont assumé leur rang et leur ont roulé dessus 8-0. On a également le Sheriff Tiraspol, club un peu connu parce que l'année dernière, le champion moldave s'était qualifié pour la Ligue des Champions, sa phase de groupe, et bien ils sont toujours en course cette année. Ils ont sorti Maribor, champion de Slovénie, et donc ils seront présents au troisième tour. Ça c'était pour la voie des champions au deuxième tour, donc on a eu aussi la voie de la Ligue qui a commencé, donc les deuxièmes voire troisièmes de plus petits championnats européens qui se lancent à l'assaut d'une place qualificative en Ligue des Champions. Il n'y a que deux places qui sont décernées par cette voie. Et donc on a eu déjà un premier exploit si on veut avec le Dynamo Kiev, donc club ukrainien qui vit une situation très difficile comme on le sait tous, qui a sorti le club turc de Fenerbahçe alors que les Turcs avaient égalisé à la fin du temps réglementaire du match retour, et bien les Ukrainiens ont trouvé les ressources pour aller s'imposer 2-1 finalement en prolongation et se qualifier au tour suivant. Parmi les autres gros clubs, si on veut, du deuxième tour qui ont été éliminés, on a aussi l'Olympiakos et le FC Zurich, champion de Suisse, championnat qui est un petit peu en déclin dernièrement, on pourra en parler un jour en vidéo. Maintenant, on peut se projeter sur le troisième tour de qualification, et donc il reste encore deux tours avant la phase de groupe de Ligue des Champions. Côté voie des champions, on a 6 doubles confrontations, dont une moi, qui me fait très plaisir, bah, c'est FK Bodø/Glimt contre Žalgiris Vilnius, puisque l'une de ces deux équipes va se qualifier pour les barrages pour la Ligue des Champions, pourra peut-être jouer la phase de groupe de Ligue des Champions, ou à minimum la phase de groupe de Ligue Europa. Voilà, c'est déjà un super progrès pour l'un de ces deux pays. Du côté de la voie de la Ligue, on commence à avoir des gros clubs qui intègrent cette partie du tableau, avec bien sûr l'AS Monaco qui va jouer contre le PSV Eindhoven, sacrée double confrontation qui nous attend, mais également l'Union Saint-Gilloise ou encore Benfica qui intègre les qualifications. Voilà, les télés vont commencer à s'intéresser un petit peu aux qualifications en Coupe d'Europe là. Justement, il y a une Coupe d'Europe qui va commencer sa phase de qualification, c'est la Ligue Europa, la C3, qui n'a pas de premier ou deuxième tour de qualification. Il y a peu d'équipes finalement qui participent aux qualifications. Comme on peut voir, donc on va commencer directement avec le troisième tour de qualification, quatre équipes dans la voie principale qui sont des deuxièmes voire troisièmes de championnats un peu moyens qui vont essayer d'intégrer la phase de groupe, et également pas mal de champions qui ont été reversés du deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions. On peut voir qu'il y a quelques petits poussés qui malheureusement sur le tirage n'ont pas eu trop de chance. Je pense au F91 du Delange qui tombe contre Malmö, même s'ils ne sont pas forcément très en forme dernièrement. Et Linfield qui va tomber contre le FC Zurich. Par contre, on va avoir Shamrock Rovers, club irlandais, face au KF Skopje, club macédonien. Et donc le vainqueur de cette double confrontation ira en barrage pour la Ligue Europa. Et soit se qualifiera pour la phase de groupe de Ligue Europa,
soit sera éliminé, mais ira en phase de groupe de Ligue Europa Conférence. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura un club irlandais ou macédonien à minima qui ira en phase de groupe de Ligue Europa Conférence, voire mieux. Voilà, ça fait un nouveau pays qui va découvrir un petit peu ses phases de groupe. Moi, ça me fait très plaisir. Je laisse regarder les autres affiches. Voilà, il y a du beau football qui nous attend. Et on finit donc avec le deuxième tour qualificatif pour la Ligue Europa Conférence, ma compétition préférée parce qu'on voit plein de clubs complètement inconnus, de pays très très peu connus. C'est aussi un super exercice pour la prononciation parce qu'il y en a, c'est quand même pas très facile. Et on va commencer au niveau des exploits avec Malte qui est sur une phase qualificative assez incroyable. On arrive au troisième tour de qualification de Ligue Europa Conférence. Ils ont encore trois clubs qui sont qualifiés et qui ont réalisé des demi voire des exploits complètement au deuxième tour. On a d'abord Žira United qui a sorti au pénalty le FK Radnički Niš, club serbe. Également Amrun Spartan Football Club qui a sorti assez facilement le Vélez Mostar, club bosnien, super intéressant. Un jour je ferai une vidéo sur ce club. Et enfin on a en voie des champions, parce qu'il y a aussi une voie des champions en Ligue Europa Conférence, Hibernian, c'est le champion qui s'est imposé face au FCI Livadia Tallinn. Et donc trois clubs maltais qui sont au troisième tour. Alors pas sûr qu'ils arrivent à passer, petit espoir peut-être pour Hibernians, mais c'est pas dit. Le deuxième tour de qualification, c'était aussi l'occasion de voir le FC Vaduz, club complètement singulier, seul représentant du Liechtenstein, club donc coincé entre la Suisse et l'Autriche en Coupe d'Europe. L'idée, c'est que au Liechtenstein, il n'y a pas de championnat, simplement une coupe nationale, et le FC Vaduz, qui participe de son côté au championnat suisse en deuxième division, roule en général sur la coupe du Liechtenstein, la remporte et donc obtient le seul et unique sésame accordé au club du Liechtenstein en Coupe d'Europe. La conséquence en termes d'indice UEFA, c'est que le Liechtenstein n'est pas si mal placé, parce que même s'il remporte très très peu de points, et au final leur total est divisé que par 1, et donc ça fait que dans le classement ils sont pas trop mal placés. Et donc ça fait également que le Liechtenstein et son club représenté n'arrivent pas au premier tour de qualification de Ligue Europa Conférence, mais au deuxième tour. Et cette année, ils ont réalisé un petit exploit en éliminant le FC Koper, club slovène. Ils avaient pris un but au match retour en fin de match, et puis finalement, pendant les prolongations, ils ont trouvé les ressources pour aller égaliser, et donc sur l'ensemble des deux matchs, aller chercher la qualification au troisième tour. Le plus gros exploit de ce deuxième tour, je pense qu'il est à mettre au titre du Viking FK, club norvégien, qui a éliminé le Sparta Prague, deuxième club de Prague quand même, c'est pas rien. 0-0 au match aller, puis 2-1 au match retour, et ça veut surtout dire que la Norvège pour l'instant est sur un sans faute. Bodo Glimt est toujours en course en Ligue des Champions, et à côté on a donc Viking FK, Molde et Lillestrøm SK qui sont encore en course en Ligue Europa Conférence. On va avoir au moins un club norvégien en phase groupe, mais peut-être qu'il y en aura même plus. Du côté des exploits encore, ben forcément on va parler des clubs irlandais. Je vous ferai un focus sur les clubs irlandais dans une ou deux vidéos. Normalement, j'ai eu pas mal d'infos dernièrement, mais on a par exemple St. Patrick's Athletic Football Club, créé en 1929 à Dublin, 8 titres de champion de France, mais le dernier en 2013, et qui était notamment arrivé jusqu'en 16e de finale de Coupe des clubs champions en 1990-91, donc ça remonte un petit peu. Et bien, ce club-là a sorti le NS Mura, club de Slovénie qui avait été champion il y a un an, qui avait même fait la phase de groupe de Ligue Europa Conférence, donc c'est pas rien. Ils les ont sortis au pénalty. Et donc en plus des Shamrock Rovers qui sont encore en Ligue Europa, et ben on a St. Patrick's, mais également Sligo Rovers qui s'est qualifié face à Motherwell Football Club. Alors Motherwell, c'est le 3ème ou 4ème club d'Écosse, c'est quand même un écart assez énorme entre le championnat d'Écosse et le championnat d'Irlande, et donc c'est une qualification 3-0 sur l'ensemble des deux matchs qui n'est pas du tout voulue. Allez, c'est l'occasion de parler un petit peu des pays qu'on a étudiés précédemment, avec d'abord les îles Féroé qui sont toujours en course. D'abord le KI Klaksvik, champion des îles Féroé en voie des champions, qui a sorti le champion du Monténégro, je vais me tenter à la prononciation, Sudjeska Nikzic, 1-0 sur les deux matchs, et donc qui est toujours en vie. On a également le B36, Tórshavn, qui a assuré face au petit poussé de Saint-Marin, Tre Fjordi, qui n'a pas renouvelé l'exploit cette fois-ci. 1-0 sur les deux matchs également pour les Féringiens. Du côté de l'Islande, on a encore une fois le Víkingur Reykjavik qui continue son petit bonhomme de chemin, qui a sorti assez logiquement, je dirais, le club gallois de New Sense. Également, Breiðablik
Copa Vougour qui s'est imposé lors d'un deuxième tour qualification pour la Ligue Europa Conférence face à une équipe monténégrine, 2-0 au match aller puis une défaite 2-1 au match retour qui suffit à se qualifier pour les Islandais. Petit tour par les Baltiques où d'abord en Estonie il ne reste plus qu'un représentant du pays qui a réalisé un petit exploit quand même. Le Pays de Lina Meskond, si je le prononce bien, a éliminé au tir au but après deux matchs nuls 0-0 le FC Ararat Armenia, club arménien assez logiquement. Je rappelle que le Pays de, bon, c'est un club créé en 1990 qui a un tout petit palmarès, une coupe d'Estonie en 2022 cette saison et également un titre de vice-champion en 2020 et donc qui réalise son meilleur parcours européen de son histoire pour le moment. Dernier représentant en Estonie, en Lettonie par contre il reste encore deux représentants, ils étaient quatre à l'abordage du deuxième tour, aujourd'hui ils ne sont plus que deux, il y a le FK RFS et également le FC Riga qui s'est imposé en deuxième tour de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Enfin, chez les favoris, pas beaucoup de surprises. La plupart des favoris ont assuré, je pense à Victoria Guimaraes, AZ Alkmaar, Slavia Prague, Konya Sport, Istanbul Başakşehir, Seir, le FC Bal Royal Antwerp ou encore les Young Boys de Berne. Et donc si on se projette sur le troisième tour de qualification, on n'a plus que 32 affiches, soit 64 équipes, avec quand même quelques clubs importants aussi qui vont se rajouter, notamment Portugal Gil Vicente, si je prononce bien, le FC Twente aux Pays-Bas, ou encore Anderlecht côté Belgique. Il y a pas mal de matchs qui commencent à être des confrontations un petit peu déséquilibrées entre les quelques petits poussés qui restent et les clubs plus ou moins gros qui intègrent les qualifications, mais il y a quand même des petits duels entre petits poussés. Viking FK face à Sligo Rovers, donc Norvège face à un club irlandais, le FK RFS club letton face à Hibernians club maltais, c'est assez intéressant. J'ai pas trop parlé encore du Kosovo, j'espère avoir le temps avant la fin de l'été, mais il y a le KF Balkany, donc champion du Kosovo, qui va affronter le KI Klasvik, champion des îles Faroé. Ça fait une sacrée distance à parcourir. Et également, alors attention, le HSK Zrinjski Mostar qui va affronter Tobol Kostanaï, champion du Kazakhstan. Également un petit duel assez intriguant, si je puis dire, Viborg FF, club danois, qui va affronter le B36 Torshavn, club des îles Faroé. Il faut savoir que les îles Faroé sont rattachées au Danemark, donc voilà, c'est un petit peu un duel entre deux clubs presque du même pays, si je puis dire. Ça va être assez intéressant à suivre. Il y a quelques chocs également, quand même assez intéressants. Un club écossais, Dundee United, face à l'AZ, club néerlandais. Brøndby IF face au FC Bâle, donc un club danois contre un club suisse. Le Maccabi Tel Aviv face à l'Aris Salonique, le FC Lugano face à l'Apoel Beersheba et le Slavia Prague face au Panathinaikos. Tout ça, c'est des clubs qui, en général, jouent la Ligue Europa Conférence, voire même la Ligue Europa avant, donc ça va être des chocs déjà assez intéressants. Va falloir allumer sa télé ou plutôt son appli OneFootball qui, en général, diffuse un certain nombre de matchs. Donc si on fait le bilan après le deuxième tour de qualification pour les Coupes d'Europe, il y a certains pays malheureusement qui n'ont plus de représentants et pour qui la saison européenne s'arrête déjà, c'est assez logique en général. Après le deuxième tour, il y a pas mal de pays qui s'en vont chaque année. Donc en plus de la Russie qui a été exclue, on va dénombrer Saint-Marin, Monténégro, Andorre, Gibraltar, le Pays de Galles, Albanie et la Géorgie qui n'ont plus de représentants. Alors pour le Monténégro et la Géorgie, c'est quand même un petit peu décevant. Normalement, ils ont des standings un petit peu plus élevés. À l'inverse, il y a encore des pays représentés de manière un peu surprenante, si on en croit en tout cas le classement à l'indice UEFA. La Macédoine du Nord avec deux représentants, l'Islande deux représentants, l'Estonie un représentant, ou encore les îles Féroé avec deux représentants. Justement, on fait un petit point à l'indice UEFA, comme chaque saison, on l'avait un petit peu fait l'année dernière, et ben quand on est au début de saison, vu que les gros pays ont leur club qui ne joue pas de qualification ou quoi, et bien en fait c'est les petits pays qui se retrouvent à truster les premières places, ou en tout cas le top 10, et donc cette année pour l'instant c'est l'Islande qui est en tête à l'indice UEFA, qui bénéficie du fait d'avoir seulement 3 clubs engagés, donc on divise son total que par 3 et non par 4 comme pour la Slovaquie qui est deuxième, et donc l'Islande est en tête au moins à ce moment-là de la saison à l'indice UEFA ou au coefficient UEFA de cette saison, suivi donc par la Slovaquie, j'en ai pas trop parlé, mais les clubs slovaques font une très bonne saison pour l'instant. Derrière on a le quatuor habituel qui bénéficie en fait des points bonus déjà accordés pour les clubs qualifiés en Ligue des Champions, quand on voit l'Allemagne qui a 5 clubs déjà qualifiés. Ça fait 5 x 4, 20 points, donc c'est déjà beaucoup. Mais on a par exemple aussi Malte et les îles Féroé qui intègrent le top 10, 9e et 10e. Alors voilà, prenez bien cette capture d'écran parce que vous allez voir ça peut-être pendant encore une semaine et puis ensuite malheureusement ils vont disparaître dans le classement. Et donc comme toujours, on va terminer avec un focus sur les clubs d'un pays. Cette fois-ci, ce sera Gibraltar et je vais en profiter pour remercier deux personnes. Le premier, c'est le compte Twitter Gibraltar France et également Frédéric
Peter, donc, qui est journaliste, commentateur, coordinateur d'antenne et suiveur du foot à Gibraltar. Merci à tous les deux. Je mets les Twitter, bien sûr, dans la description de la vidéo. Et donc, Gibraltar, c'est un pays assez particulier au niveau football, championnat très ancien, qui date de 1895, mais qui ne délivre des places européennes que depuis la saison 2013-2014, mais qui a quand même eu déjà un représentant en Ligue Europa Conférence l'année dernière, c'était bien sûr Lincoln Red Imps, je vais en parler. Juste après, il faut savoir que depuis 2019-2020, le championnat n'a qu'une seule division. Ils ont regroupé la division 1 et 2 pour faire une division unique de 12 équipes. Il y a également une coupe du Gibraltar. Également, il y a un seul stade homologué pour le football à Gibraltar, c'est le Victoria Stadium, qui du coup accueille quasiment tous les matchs de championnat sur la saison, et où à peu près 90% des matchs sont complètement gratuits à regarder. Donc si un jour je me balade à Gibraltar, ce sera un plaisir de regarder les matchs là-bas. Il y a également un autre stade qui est utilisé pour le sport, c'est l'Europa Point Park, mais qui est le stade de rugby cette fois-ci, et qui permet également d'accueillir du hockey sur gazon, ou encore deux autres clubs phares, le netball qui est un dérivé du basket et les fléchettes. Et on va commencer donc par Lincoln Red Imps, justement, club créé en 1976, qui est aujourd'hui le club dominant de Gibraltar avec 26 titres de champion, qui est le champion sortant. Il avait été créé à la base par l'ancienne équipe de police qui s'appelait les Blue Batons et d'autres joueurs. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui il est lié au club anglais de Lincoln City et que pendant un moment il a même été sponsorisé par un ancien président de Sheffield United, Reg Brisley. Aujourd'hui, Lincoln, c'est un club qui a eu la première participation de l'histoire de Gibraltar en Ligue des Champions en 2014, première participation également en phase de groupe de Ligue Europa Conférence, donc c'était la saison dernière, et malheureusement cette année, ils se sont arrêtés au deuxième tour de qualification de la Ligue Europa Conférence en voie des champions, éliminés par le champion du Kazakhstan, Tobol Kostanaï. Également, c'est un effectif qui a une très faible valorisation, comme tous les clubs de Gibraltar, 1,84 million d'euros. La plus grande valeur, c'est Liam Walker, 150 000 euros quand même, 34 ans, et qui a vadrouillé pas mal en Espagne, avant notamment de jouer à Portsmouth, et puis ensuite en Israël, et finalement, il est arrivé à Gibraltar. Allez, je vais vous parler maintenant de Saint Joseph Football Club, le plus vieux club de Gibraltar, a priori créé en 1912, il faut attendre pas mal de temps derrière pour trouver trace d'autres clubs. Pas forcément un très gros palmarès, seulement un titre de champion en 1996 et 9 coupes de Gibraltar, par contre, c'est plutôt sympa. Club qui, cette année, a réalisé son meilleur parcours en qualification pour les Coupes d'Europe, avec notamment une victoire sur les deux matchs au premier tour. Finalement, ils ont été sortis au deuxième tour par le Slavia Prague, pas de bol sur le tirage, ils ont perdu 1-0 sur les deux matchs, mais l'essentiel est ailleurs, c'était un très beau parcours. C'est un effectif qui est, comme souvent, majoritairement composé d'Espagnols, de joueurs de Gibraltar, mais également de quelques Africains, valorisés à 1,1 million d'euros. Et je vais vous parler d'un joueur, Adi Youssouf, 29 ans, et qui a bourlingué dans tellement de clubs différents entre la D2 et la D5 anglaise. Je suis pas sûr qu'il ait fait une saison dans le même club, en tout cas consécutivement. Et donc, il a débarqué à Saint-Joseph cette année en 2022, et donc il aura connu déjà la Coupe d'Europe. Et maintenant je vous parle de Europa Football Club, un sacré palmarès quand même en Gibraltar, club créé en 1925, qui a 7 titres de champion, le dernier en 2017, depuis ils ont tout le temps été deuxième, à une exception en 2020, où malheureusement le championnat s'est arrêté, et donc ils étaient en tête, mais ils n'ont pas récupéré ce titre de champion. Il y a également 8 coupes de Gibraltar à leur actif, et en 2014 c'est le premier club qui essaye de participer à la Ligue Europa, puisque Lincoln Red Imps était plutôt en Ligue des Champions. Ils n'ont toujours pas passé un tour de Coupe d'Europe, cette année n'a pas dérogé à la règle malheureusement, ils ont été sortis par le club terrien de Víkingur Gøta. Effectif, encore une fois, valorisé à 1,39 million d'euros, fait de joueurs de Gibraltar, d'Espagnols ou encore d'Africains. Enfin, je suis obligé de vous parler du FC Bruno Magpies, bien sûr, vous en avez sûrement déjà entendu parler avec Romain Molina, mais c'est un club qui est créé en 2013 par un groupe d'amis anglais sur un coup de tête complètement. Ils étaient dans un bar qui s'appelait le Bruins Bar and Restaurant et ils se sont dit on va se faire un club de foot. Ils l'ont fait, le club a commencé en division 2 de Gibraltar et puis finalement juste avant que le championnat soit fusionné, ils ont obtenu leur montée en division 1 de Gibraltar en faisant le doublé même, donc division 2 plus coupe de division 2. Et donc aujourd'hui ils sont plutôt dans la première moitié de tableau de Gibraltar. Il faut savoir que le championnat il se coupe en deux parties, il y a une partie où les deux équipes se rencontrent puis ensuite il y a deux championnats, partie haute, partie basse, qui se jouent en même temps, et donc Bruno Magpies a fini 4e de la saison dernière, obtenu sa première participation pour les qualifications pour la Ligue Europa Conférence. Malheureusement, ça s'est arrêté assez vite face à Crusaders,
club nord-irlandais, si je dis pas de bêtises, mais au match aller, il y a eu une victoire de Bruno McPies, 2-1, ils ont perdu au match retour, 3-1, et le simple fait de s'être déjà imposé, c'est un exploit en soi. Au niveau des joueurs, on a conseillé deux, alors pas forcément des quatre clubs dont je vous ai parlé, puisque le premier c'est Jaden Bartolo, joueur de Manchester 62, qui a déjà été appelé en équipe nationale à seulement 16 ans, apparemment il est très très fort. Et puis on a le jeune milieu de terrain de 21 ans, Kian Ronan, qui joue pour le coup à Lincoln Red Imps et qui fait pas mal de choses intéressantes pour son âge et qui sera à suivre. Et enfin, Gibraltar France m'a demandé de parler un petit peu du football club Own Dogs, qui est un club un petit peu particulier, qui se veut familial, sans gros objectifs, et qui en fait est le seul club de Gibraltar à jouer le championnat de la réserve, mais en même temps la coupe de Gibraltar. L'idée c'est que le FCHD, comme on l'appelle, récupère souvent des joueurs qui sont en manque de temps de jeu dans les autres équipes de Gibraltar ou même d'autres pays, et donc voilà, les regroupe dans un seul club sans trop de prise de tête, mais qui participe quand même à la coupe. Et donc c'est sur cette dernière anecdote que je vais arrêter cette vidéo, déjà assez longue. En même temps, il y avait le bilan du T2 à faire et la préparation du T3, et puis pas mal de choses à dire sur ces clubs de Gibraltar. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à Gibraltar France et à Frédéric Peter pour leurs informations sur les clubs de Gibraltar. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à la liker, la partager, laisser un commentaire, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel pays vous avez envie que j'étudie. J'ai déjà 3 pays où j'ai pas mal d'infos, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous dis à très bientôt pour parler foot, bien sûr. Ciao ciao tout le monde.